Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, nous nous retrouvons pour partager la parole de Dieu. Et vous faites bien parce que la parole de Dieu est vie, la parole de Dieu est nourriture, la parole de Dieu, le Seigneur le dit lui-même. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous allons aujourd'hui, après que nous ayons parlé aussi longtemps du souffle de l'Esprit de Dieu qui nous anime, de l'Esprit de l'Éternel qui nous a créés, quelles sont les activités du Saint-Esprit et pourquoi élever Jésus qui dit, quand je serai élevé, tous les hommes viendront à moi. Quelles sont les activités du Saint-Esprit pour que nous ne puissions pas le freiner? Suivez ce message et je crois que vous allez encore, plus que jamais auparavant, tomber amoureux du Saint-Esprit de Dieu. Suivons. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Vous asseoir, peuple de Dieu. C'est bien de passer du temps et des moments dans la présence du Seigneur. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe pendant que vous adorez. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui arrive quand vous êtes en train d'adorer. Ce qui est vrai, c'est que vous êtes transformé dans la même image par l'Esprit. C'est ce qui fait que même si vous ne le sentez pas, mais vous brillez d'un autre éclat. La présence de Dieu est contagieuse. La présence de Dieu laisse Dieu se rayonner et vous transformer. C'est de cette manière que Moïse pouvait ne plus être fixé du fait qu'il a passé du temps dans la présence de Dieu. Lui ne se rendait peut-être pas compte, mais ceux qui le regardaient ne pouvaient pas le fixer. Et il était obligé de mettre un voile pour essayer d'atténuer cette gloire. Soyez des adorateurs bien-aimés. Que votre vie de lundi à dimanche, de janvier à décembre, soit une vie des adorateurs. On adore par les louanges qui sortent de nos lèvres. On adore par la qualité de notre vie. On adore par tout ce qu'on fait et qui glorifie Dieu. C'est pourquoi l'adoration se traduit aussi par le terme service. Au fait, vous servez Dieu. Laissez mon peuple aller me servir dans le désert. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu qui est présent? Alléluia. Merci Jésus. Gloire au roi des rois. Amen. Bien-aimés, tout ce mois, nous avons commencé à parler d'un thème intéressant. Vous savez que pour toute l'année, c'est libérer les nations avec l'Esprit. Et je suis heureux parce que entre Pâques et Pentecôte, comme je le dis toujours, c'est le moment où les grandes choses spirituelles se font. Des grandes apparitions, des grandes visitations. Comme vous pouvez vous l'imaginer, bien-aimés, quand Jésus a travaillé et il est crucifié, il a parlé aux grandes foules, au grand public, il a fait des grands miracles. Mais après sa mort et sa résurrection, il n'apparaissait plus à des foules. Mais il y a des personnes choisies, des personnes particulières. Et Paul dit, je ne l'ai pas connu quand j'étais dans la chair, mais il m'est apparu aussi comme à un avorton. Je suis le moindre de tous les apôtres. Mais voilà que par l'Esprit de Dieu et la grâce, j'ai travaillé plus que eux tous. Donc l'Esprit de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, maintenant c'est le moment où il apparaît à certaines personnes. Et non plus à tous. Tu peux lui demander que tu sois de cette
personne-là à qui il apparaît. Et quand il t'apparaît dans ces conditions, il te parle des choses précises et surtout de ta mission. Les disciples qui étaient enfermés, qui avaient peur parce que leur maître n'était plus, ils étaient réconfortés parce qu'ils ont vu que cette mort-là n'était qu'un passage à une autre situation. Ça n'a pas été la fin de Jésus-Christ, le fait suffit. Mais ce n'était qu'une occasion de transfert dans une nouvelle situation, dans une nouvelle dimension. Et le voilà qui apparaît. Il leur dit, je vous avais dit que j'allais ressusciter. Maintenant, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et la Bible dit, il souffle sur eux. Il dit, recevez l'Esprit. Et il leur avait dit, ne quittez pas Jérusalem. Attendez d'aller faire tout ce que je vous demande de faire jusqu'à ce que vous receviez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Mes frères et sœurs, ce mois particulièrement, nous avons eu un thème intéressant. Allons dans Job, le livre de Job, au chapitre 33, Job 33, verset 4. Job 33, 4. Job 33, 4. C'est là que nous trouvons le thème de ce mois, des affirmations importantes sur lesquelles nous allons insister et insister encore. Job chapitre 33, verset 4. Écoutez ce que la Bible dit. Ce sont des affirmations, ce ne sont pas des questions, ce ne sont pas des suggestions. Les amis, tout n'a été. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Amen. Wow. Mais pourquoi quelqu'un peut arriver à déclarer comme ça? L'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Jetons un coup d'œil à la promesse du mois. Allons dans Jean chapitre 12, verset 32. Jean 12, 32. Jean chapitre 12, verset 32. La Bible dit... Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à élever Jésus de la terre aujourd'hui? Que vous l'éleviez ou que vous ne l'éleviez pas, Jésus est déjà élevé. Yassa nettoie-moi. Je vais reprendre ça. Que vous l'éleviez ou que vous ne l'éleviez pas. Jésus est déjà élevé. Yassa nettoie-moi. Mais de quoi s'agit-il ici? Ceci est une confirmation de ce que Moïse avait fait sous l'ordre de Dieu. Quand ils ont quitté l'Égypte, délivrés pour aller hériter une terre promise, les enfants de Dieu ont commencé dans le désert à être mordus par des serpents brûlants. Et quand les serpents les mordaient, il y en a qui mouraient. Malgré tous les antidotes qu'ils pouvaient utiliser pour atténuer les venins de ces serpents. Symbole du diable, du péché et du mal qui nous entrave pendant notre marche vers notre héritage. Le péché est mortel, bien-aimé. Le salaire du péché... C'est la mort. Malheur à ceux qui s'en
tête à continuer à vivre une vie de péché. Mensonge, vol, corruption, adultère, impudicité, meurtre, le salaire de tout ça, c'est la mort. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Au fait, ça veut dire que quand tu es au service du péché, il est ton maître, il est ton patron, il va te payer quelque chose. Mais tu vas te rendre compte qu'à la fin de tout, ce qu'il te paye, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez ne pas quitter ce lien-là dans votre esprit. Le salaire du péché. En fait, quand nous rentrons dans le jardin d'Éden, Dieu crée l'homme à son image, selon sa ressemblance. Il le place dans le jardin d'Éden, garni de toutes sortes de biens. Des pierres précieuses, donc des richesses. Et de la nourriture. Et il lui dit, mange de tout le fruit. Excepté le fruit de la connaissance du bien et du mal. Excepté. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Et alors, il s'est passé quelque chose. Adam et Ève se sont laissés entraîner dans le péché. Ils ont questionné essentiellement trois choses. Premièrement, qu'est-ce qui est vrai? Deuxièmement, qu'est-ce qui est bien? Troisièmement, qui suis-je? Dites amen, je vais approfondir ces trois questions. Amen. Je suis en train de nous conduire par l'esprit quelque part, bien-aimé. Le péché est entré quand l'homme a remis en cause ces trois questions. Dieu a dit, pour vous, il faut manger de tous les fruits de l'arbre, mais il n'est pas bon pour vous de manger ce fruit-là. Pour Dieu, c'est ça qui est bien. Mais l'homme, sous l'influence de ce serpent mortel, lui-même déjà déchu, vous savez, tu as vu quelqu'un qui a abîmé son mariage, comment ça te donne des conseils pour que tu abîmes le tien? De sorte que comme il a perdu, que vous aussi vous perdez. Il a fait des affaires qui n'ont pas réussi. Maintenant, il vous donne des conseils pour que vous fassiez des affaires qui réussissent. A commis facteur de découragement. Ça, c'est démoniaque. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Alors, le diable est venu sous forme de serpent. Le plus rusé. Satan a eu le kola nyoka. Ma be makas. Il pose la question. Atuni motuna. Et il séduit l'homme. Qu'est-ce qui est bien? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit ou c'est ce que Satan a dit? Dieu dit, il ne faut pas que tu manges de cet arbre. Ce n'est pas bien pour toi. Et il avertit, le jour où tu vas en manger, tu mourras. Donc la mort n'est pas créée avec l'existence du avec le péché. S'il n'avait pas mangé, n'allait pas mourir. Mais la mort était déjà là. Dieu l'avait averti. Le jour,
le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais la mort, c'est un agent de Dieu pour transférer l'homme de ce monde à l'autre monde. Faut pas l'insulter. Dans les deux, là, je vois des gens qui insultent la mort et la mort. Non, c'est un agent de Dieu. Au point que les gens n'aiment pas en parler. Quand il en arrive de la mort. Bon, ne rentrons pas là-dedans. Mais ce qu'il faut savoir, bien-aimé, c'est que pour que tu passes de ce monde à l'autre, continuant à faire ce que Dieu veut que tu fasses. Il y a un mécanisme appelé la mort. Mais refuse de mourir précocement. Refuse de mourir avant le temps que Dieu a prévu. Mais dès que tu entres dans le péché, tu précipites la mort. Refuse le suicide. Amen. Amen. Et l'homme refuse ce que Dieu a dit, parce que n'est bien que ce que Dieu a dit que c'est bien. Il mange. Le péché entre. Le refus de voir, de trouver que c'est bien ce que Dieu a dit que c'est bien. Bien-aimé, si Dieu te parle, même si ça ne te plaît pas, c'est ce qu'il dit que c'est bien qui est bien. Prie l'Esprit de Dieu pour t'aider à ce que tu alignes ta façon de voir à la façon de voir de Dieu. La troisième question, la remise en question que l'homme a faite, il a remis en question le fait de savoir qu'est-ce qui est comment. Non, avant de qui suis-je. Il a remis en question ce qui est bien. Il a remis en question ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Regardez comment le diable a dit. Est-il vrai que Dieu a réellement dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras? Bien-aimé, quand vous commencez à remettre en question ce que Dieu a dit que c'est vrai, le serpent n'est pas loin de vous. Alléluia. Amen. Et de trois, Yamisato, il a remis en question sa personnalité, qui il était. Non, Dieu sait que. Quand tu vas manger, tu seras comme. Soko loko za lokola. Lui. Yé. Oh. Ya solo. Donc, je ne suis pas comme Dieu. Si je mange, je serai comme lui. Question d'identité. Mes frères et sœurs, le plus grand problème que les hommes connaissent aujourd'hui, c'est la confusion autour de qui ils sont. Et ayant remis cela en question, Dieu t'a créé à son image selon sa ressemblance. Maintenant, on vient te dire que tu seras comme lui. Est-ce que tu peux devenir comme quelqu'un que tu ressembles déjà? Parce qu'il t'a créé comme lui. Mais on vient te faire douter que tu n'es pas comme lui. Et on vient te dire que le jour où tu en mangeras, tu seras semblable à lui. Et il y a des gens qui acceptent ça. Adam et Ève ont accepté, ils ont mangé. Ils ont remis en question ce qui est bon. Ils ont remis en question ce qui est vrai. Ils ont remis en question qui ils sont.
C'est une morsure du diable, ça. Et dans le désert, bien-aimés, quand ils étaient mordus, Dieu dit, Moïse, prends le serpent d'airain. Élève-le. De sorte que tout celui qui sera mordu, au lieu qu'il aille chercher des antidotes, des antipoisons ou je ne sais pas quoi, pour ne pas mourir, qu'il regarde à ce serpent-là, et ils ne mourront pas. Et Jésus dit ceci dans le Nouveau Testament. De même que Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, le Fils de l'homme sera élevé. De sorte que tout celui qui aura un problème de péché, tout homme a péché, et le péché nous a contaminés tous. Même le petit enfant, le petit bébé que vous portez là, il a ce péché là, même s'il n'a pas encore posé des actes. Demandez-moi pourquoi. Ponanini, papa. Mais pourquoi vous faites bien de poser cette question? Parce que quand Adam mangeait là, le bébé là était dans Adam. Tango Adam zoli a bébé zaki kati Adam. Parce que nous tous ici, nous procédons de lui. Nous étions dans ce sein. Nous étions dans ce rein. De sorte que si on avait tué Adam, Eve, il n'y aurait plus de nous tous ici. Alors, quand il était là, et quand il mangeait ce fruit, tu l'as aussi mangé. Il a contribué à qui tu es. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Ainsi, mes frères et sœurs, nous avons besoin ne pas de nous appuyer sur nos bonnes œuvres pour annuler l'antidote, annuler le venin mortel de Satan qui a affecté notre bien, qui a affecté notre vérité et qui a affecté notre identité. Nous devons regarder à Jésus. Parce que nous devons être semblables à lui. Mes frères et sœurs, le péché agit et la solution est en Jésus-Christ. Mais maintenant, pour y arriver, nous regardons Job 33, verset 4. Totali Job 3, 4. Elihu dit ceci. Elihu a l'obiboy. L'Esprit de Dieu m'a créé. Il raffirme l'identité de sa source. L'Esprit de Dieu m'a créé. Et maintenant que j'agis ici, c'est le souffle du Tout-Puissant qui m'anime. Nous avons vu qu'à cause de cela, reconnaître que c'est l'Esprit qui t'a créé et savoir que quand tu agis, c'est le souffle du Tout-Puissant, c'est une déclaration terrible que tout enfant de Dieu doit intérioriser. Tu es en train de dire que ma source est en Dieu. Je suis comme Jésus le Fils unique. Et que c'est lui-même seul qui a de droit sur moi. Droit d'auteur. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas ton oncle. Ce n'est pas ton gourou, je ne sais pas lequel. Non. Nul n'a de droit sur toi, même pas un sorcier. Parce qu'il ne t'a pas créé, c'est celui qui t'a créé qui a le copyright sur toi. Alors tu ne peux pas te laisser à la merci de n'importe quelle puissance. Le Seigneur est venu remettre à la pendule à l'heure sur tout ce que le péché avait corrompu. Le bien, le vrai et le moi. L'Esprit de Dieu m'a créé. Mes frères et sœurs,
Quand il dit qu'il m'anime, ça veut aussi dire qu'aucun défi ne peut me stopper. La fois passée, nous avons vu les ossements desséchés. D'Ézéchiel 37. Mais nous avons vu que quand l'esprit a soufflé et animé, il y a eu de mouvement. Ma quelle est la chair est revenue parce qu'on a prophétisé. Parce qu'on a déclaré. Il faut aimer le mouvement et l'action du Saint-Esprit. Parce que tous les défis de votre vie, rien ne va vous stopper. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Quand nous regardons les Saintes Écritures, Jésus est élevé. Et tous les hommes viennent à lui. Pourquoi tous les hommes viennent à lui? Parce qu'il a la solution. Parce qu'il est la solution. Tous les hommes viennent à lui pour quitter le salaire du péché. Comme dans le désert. N'oubliez pas cette image. Tu es mordu. Au lieu de chercher des médicaments ailleurs, tu regardes à Jésus-Christ. Et le venin ne te tue pas. Le péché ne te tue pas. Le fait que tu as quitté le bien ne te tue pas. Le fait que tu as quitté le vrai ne te tue pas. Le fait que tu as ignoré ton identité ne te quitte pas. Parce que l'esprit te transforme dans la même image. Mes frères et sœurs, mon sujet du message aujourd'hui, c'est les activités du Saint-Esprit. Amen. Les activités du Saint-Esprit. Dis avec moi les activités du Saint-Esprit. Les activités du Saint-Esprit. J'en parle comme nous approchons maintenant la Pentecôte. Que nous puissions laisser libre cours à l'Esprit de Dieu. Quelles sont les activités du Saint-Esprit? Quand Élie dit, l'Esprit de Dieu m'a crié, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc si tu prends le mot animé, tu vas comprendre qu'il s'agit de vivifier. Il s'agit de faire bouger. Alors rien ne peut te stopper si l'Esprit de Dieu est en toi. Rien ne peut te tuer si l'Esprit de Dieu agit en toi. Je veux que tu découvres les activités du Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur, il faut comprendre que quand tu as hérité du péché, tu es dans la culpabilité et tu es dans la corruption. Toutes tes facultés sont corrompues. Tu es déjà coupable. Si tu te présentes devant Dieu pour le jugement, le fait du péché, tu es coupable. Et même quand tu chercheras à réfléchir, tu es corrompu. Il faut une restauration pour sortir de la corruption. Et à cause de cela, Jésus doit être élevé. Et quand Jésus doit être élevé, nous devons le regarder. C'est lui qui nous remet à l'image initiale, perdu par le premier Adam, et lui le second Adam, nous remet dans la bonne vie, et nous pouvons faire ce qui est bien devant Dieu, nous faisons marcher dans ce qui est vrai devant Dieu, et nous avons notre identité en Jésus. Est-ce que tu ne peux pas prendre 30 secondes et acclamer le Dieu Tout-Puissant? Alléluia. Qui te restaure ces choses. Aime Jésus, aime Jésus, aime Jésus. Linga Yesu, Linga Yesu, Linga Yesu. Alléluia. Alléluia. Il y a des changements qui vont se faire maintenant. Parce que tu vas quitter la corruption que le péché a apportée. Et tu vas quitter la culpabilité. Tu es coupable si tu vis dans le péché. Bien aimé. En dehors de Jésus, tu es coupable. En dehors de Jésus, tu es corrompu. Mais quand tu l'es élevé, tous les hommes viennent à lui pour sortir de la culpabilité. Tous les hommes viennent à lui pour sortir de la corruption. Et maintenant, aborder leur vie bénie. Marcher dans le destin et le succès. Que celui qui veut marcher dans la victoire dise alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, voici les activités du Saint-Esprit.
pour que si ces activités n'opèrent pas en vous, vous puissiez les réclamer. Parce que vous savez, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de manifester la présence active de Dieu quelque part. Manifester la présence active de Dieu quelque part. Le Saint-Esprit est là. Et si Jésus a dit, ne quittez pas Jérusalem, attendez le Saint-Esprit, c'est pour qu'il donne la puissance. Et la puissance de Dieu par le Saint-Esprit manifeste la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu est omniprésent. Mais quand il veut agir quelque part, il manifeste sa présence active. Dans ce monde, partout dans les quatre coins du monde, tu peux aller. L'Esprit montre sa présence. Un jour, je suis allé en Afrique du Sud. Et nous sommes allés dans une retraite de jeunes de notre église. Dans un coin loin de la grande ville. Appelé Rocky Valley. Alors on arrive là-bas. Nous commençons à prier, à adorer. Bien, moi, je crois que l'Esprit Saint n'était que à Logosema à Kinshasa. Et je suis arrivé là-bas. On nous transporte, on tourne dans des coins compliqués. Les jeunes aussi aiment toujours les endroits de brousse là-bas. Et ils sont à un endroit compliqué. Et dès que j'ai commencé à parler, j'ai vu la gloire de Dieu se manifester. Les enfants étaient emballés par le Saint-Esprit. Il y en a qui n'étaient jamais baptisés dans le Saint-Esprit, qui ont commencé à parler en langue. Des gens ont témoigné avoir eu des visions. Le Saint-Esprit peut agir partout. Dis à ton voisin que le Saint-Esprit peut agir partout. Le Saint-Esprit peut agir partout. Donc, l'activité du Saint-Esprit, c'est de manifester la présence de Dieu dans le monde. En particulier dans l'église et dans les serviteurs et servantes de Dieu. C'est pour cela que quand vous allez partir de ce lieu, dans vos business, dans vos études, dans vos contacts, dans vos procès au parquet, si vous êtes conscient que le souffle du Tout-Puissant vous anime, même devant les juges, même devant ceux qui vous troublent, même devant la négociation des affaires, pour avoir le gros lot de la bénédiction, si vous laissez Dieu agir et le Saint-Esprit se manifester, vous allez vous rendre compte qu'avec lui vous pouvez tout partout. J'aime le Saint-Esprit. Premièrement, le Saint-Esprit donne la vie. Nous avons vu les ossements des déchets qui ont repris la vie. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Si tu as des membres qui ont des problèmes, une santé problématique, le médecin on dit c'est le stade terminal pour ce cancer là, pour ce VIH là-bas, pour cette situation là, nous ne savons plus rien faire, tes os sont en train de se décomposer, c'est une extraporose aiguë, le médecin de terme, laissez-moi vous dire que l'Esprit de Dieu peut tout restaurer. L'Esprit de Dieu peut remettre votre tension artérielle en main. L'Esprit de Dieu peut équilibrer le sucre dans votre corps. L'Esprit de Dieu peut vous donner l'intelligence et remettre votre cerveau en place. Que celui qui le croit dise amen. Amen. L'une des activités du Saint-Esprit, c'est de donner la vie. Écoutez ce que Job dit en la matière. Allez dans Job 34. Job 34, versets 14 à 15. Job 34. L'Esprit veut nous conscientiser pour que vous lui donnez la place qu'il faut dans la vie. Job 34, versets 14 à 15. La Bible dit ceci. S'il ne pensait qu'à lui-même, il parle de Dieu. S'il retirait à lui son esprit, et son souffle, qu'est-ce qui arriverait?
toute chair périrait soudain et l'homme rentrerait où? Dans la poussière. Ouh, ça c'est... Vous savez, quand Élie dit les souffles du Tout-Puissant m'anime, c'est pour dire je vis et rien ne peut me retourner à la poussière. S'il ne pensait qu'à Dieu ne pense pas qu'à lui-même parce qu'il est. Avant que le monde ne soit, Dieu est. Après que le monde sera, Dieu est. Mais si tu vis, c'est parce qu'il pense à toi. S'il a envoyé son esprit dans le monde, c'est parce qu'il pense à toi. Et la Bible dit, s'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain et l'homme rentrerait dans la poussière. Est-ce que je peux dire amen? Amen. Et c'est ce que Jésus dit à Nicodème. Parce que Nicodème est venu nuitamment. Nicodème a eu boutou boutou. Savez, il y a des gens qui ne veulent pas servir Dieu ouvertement. Ils viennent nuitamment. À cause de leur dignité. Quand j'irai pendant la journée, on verra. Ils ne peuvent pas voir la Bible. Heureusement qu'il y en a dans les téléphones maintenant. On croit que c'est les téléphones. La Bible, il y a papyrus, c'était. Alors, maintenant, il dit, le Seigneur lui dit, il faut que tu puisses naître de nouveau. Il dit, ah, un docteur. Nicodème, docteur, de la loi. Docteur Amibeko. Il dit, à mon âge ici, bien-aimé, dis à ton voisin, tu ne connais pas tout. Il y a des choses, si l'esprit ne te les explique, tu le docteur de la loi. Docteur Amibeko. Jésus regarde, et toi docteur, tu ne connais pas ces choses. Allons dans Jean chapitre 3. Jean 3. Je veux que tu le lises, tu connais l'histoire, mais il faut t'exposer à la parole. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Verset 6 à 8. 6 à 8. Nous avons vu que le Saint-Esprit donne la vie. Si Dieu ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait son esprit et son souffle, alors tout homme périrait et rentrerait à la poussière. Si tu vis encore maintenant, si tu peux bouger, te déplacer, si tu peux réfléchir, sache qu'il y a la part de ton Dieu là-dedans. Et il dit ceci, écoutez Jean 3, 6 à 8. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit, il y a des choses qui naissent de l'esprit. Il y a des business qui naissent de l'esprit. Il y a aussi des choses qui naissent de la chair. Il y a aussi des business qui naissent de la chair. Mais écoutez la suite. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est comment? Né de l'esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né de l'esprit ici? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né de l'esprit ici? Alléluia. Je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né de l'esprit ici? Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu dans ses activités, il donne la vie. Ça, c'est l'une de ses activités. Il manifeste la présence de Dieu dans quelque chose. Il manifeste la présence de Dieu dans un business. Il manifeste la présence de Dieu dans une église. Il manifeste la présence de Dieu dans un serviteur ou une servante de Dieu. Il donne la vie. La chair peut faire quelque chose. Mais quand Dieu pense à lui et retire son esprit, quand Dieu retire son souffle, tout rentre à la poussière. Mes frères et sœurs, si tes activités, l'Esprit de Dieu ne souffle pas dedans, ce sont des ossements desséchés. Si tes projets, l'Esprit de Dieu ne souffle pas dedans, l'Esprit qui donne la vie, cela est appelé à mourir. Regardez la conception même de Jésus. Du sein d'une vierge.
Parce que l'activité de l'esprit, c'est de donner la vie. Va avec moi dans Matthieu. Alors, Matthieu chapitre 1, verset 18. Comment cela se fera-t-il car je ne connais point d'homme? Quand tu crois qu'il n'y a que les hommes qui donnent la vie. Quand tu crois qu'il n'y a que les hommes qui donnent la vie. Comment cela se fera-t-il? Car je suis vierge. Je ne connais point d'homme. Mais il faut connaître Dieu dans une autre dimension. Matthieu 1, verset 18. Quand tu lis cela, tu verras que le temps étant en train de presser, allez, il faut continuer la lecture. La Bible dit, l'ange lui dit, l'ombre du Tout-Puissant et l'Esprit du Tout-Puissant te couvrira. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à être couvert par l'Esprit du Tout-Puissant? C'est pour cela que quand il y a l'onction de l'Esprit qui se manifeste quelque chose, parce que l'Esprit donne la vie, parce que l'Esprit vivifie, parce que l'Esprit anime, les guérisons s'opèrent. Vous savez, si l'esprit de celui qui a ressuscité. Romains 8, verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite dans vos corps, comment? Dans vos corps qui sont comment? Mortels. Eh bien, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera la vie. Bien aimé, tenons-nous debout pendant ce temps. L'esprit, je sens que l'esprit est en train d'opérer. Alléluia. Je sens que l'esprit est en train d'opérer. Vous savez, je n'ai pas le temps de vous parler de toutes les activités du Saint-Esprit. Mais si l'Esprit insiste sur donner la vie, il veut guérir les malades dans ses lieux. Si l'Esprit insiste sur donner la vie, il veut faire revivre tous ceux qui étaient ensevelis. Si l'Esprit insiste sur donner la vie, il y a des gens qui auront leurs yeux ouverts. Mais si Jésus, pour que cela ait lieu, il faut que Jésus soit élevé. J'ai dit ceci. Pour que l'Esprit opère ainsi, il faut que Jésus soit élevé. Jésus lui-même, quand il est venu pour agir dans ce monde, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je ne viens pas opérer seul. Je ne viens pas agir seul. Je ne viens pas guérir le cœur brisé seul. Je ne viens pas sortir ceux qui sont en prison seul. Je ne viens pas annoncer une année de grâce seul. Je ne viens pas libérer les nations seul. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oué pour guérir le cœur brisé. Alors, si Jésus avait besoin du Saint-Esprit pour agir et opérer, comment veux-tu toi entreprendre seul? Dis à ton voisin, pas un pas sans le Saint-Esprit. Ne fais rien sans le Saint-Esprit. Ne commence pas tes fiançailles sans le Saint-Esprit. Ne fais pas des associations avec les gens sans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit donne la vie. Et ce qu'on fait avec le Saint-Esprit ne peut pas mourir. Parce que si Dieu retire son esprit, si Dieu retire son souffle, ta place c'est dans la poussière. Mais si Dieu maintient son esprit, si tu étais dans la poussière, comme les ossements desséchés, il y aura un bruit. Il y aura un mouvement. Ton foyer qui était en train de se disloquer, le décret qui était signé pour qu'on te chasse, il y aura un bruit et tout reviendra en place. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia? Alléluia. Mais pour que l'Esprit agisse,
Il faut que Jésus soit élevé. Je l'ai dit, si tu ne l'élèves pas, Dieu l'a déjà élevé. Si tu ne l'élèves pas, moi je l'ai déjà élevé. Et quand il est élevé, les gens sortiront de leur péché, de leur corruption, ils sortiront de leur culpabilité et ils auront la vie. Je déclare que tout soit restauré autour de vous et que le péché n'ait pas son salaire à cause de vous. Je déclare que Jésus est élevé en ces lieux. Celui qui va le louer, celui qui va l'élever, celui qui va se repentir de sa vie mauvaise pour venir à lui, il va lui donner la vie et l'Esprit va agir en lui. C'est l'Esprit de Jésus-Christ. Cet Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. L'Esprit vivifie. On peut envoyer les gens pour vous détruire. Saül a envoyé des gens pour chercher à détruire David. Parmi les activités du Saint-Esprit, l'Esprit a saisi ces gens-là. Eux qui sont venus pour les détruire, ils ont aussi commencé à prophétiser. Ils ont commencé à louer David. C'est pour dire quoi? Dans les activités du Saint-Esprit, s'il y a des complots contre vous, l'Esprit peut le dévoiler. L'Esprit peut le dévoiler. Je pense à un prophète qu'on est venu encercler. L'Esprit de Dieu lui a montré. Et il les a aveuglés. Il leur a montré le chemin à suivre. Et ils sont partis à cause de l'Esprit. L'Esprit de Dieu. Oh, acclamez le Saint-Esprit. L'Esprit agit déjà. Pendant que je chante, l'Esprit agit déjà. Bien-aimé, si tu as quelque chose qui meurt, un enfant qui meurt, un mari qui meurt, une épouse qui meurt, une famille qui meurt, une business, l'Esprit donne la vie. Il faut lever les yeux vers Jésus. Glorifie-le. Et tu peux dire alléluia. Si tu as une maladie, un organe ou un cœur qui a des problèmes de cardiaque, la tête ou le cerveau, une tumeur quelque part, un membre qui est en train de se paralyser, je déclare l'action de l'Esprit de vie. Reçois ta guérison. Reçois ta restauration. Si tes yeux sont en train de devenir aveugles, les cataractes veulent te détruire, je déclare l'action du Saint-Esprit. Il donne la vie et restaure. Alléluia. C'est lui qui le croit. Alléluia. Le souffle du Tout-Puissant va l'animer. L'Esprit de Dieu m'a créé. Disons-le ensemble. L'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle? Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Alléluia. Amen. Laisse le souffle du Tout-Puissant animer ton cœur. Laisse le souffle du Tout-Puissant animer ton esprit. Alléluia. Laisse le souffle du Tout-Puissant animer tes bras. Alléluia. Laisse le souffle du Tout-Puissant animer ta tête. Oh yes. Je ne sais pas où est-ce qu'il y a quelque chose qui... Alléluia. Laisse le souffle du Tout-Puissant le faire. Au nom de Jésus. Oh, acclame le roi des rois pour ta restauration. J'aime les activités du Saint-Esprit. Et je le laisse agir. Au nom de Jésus. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre maintenant. L'Esprit de Dieu est en activité maintenant. Et tu verras qu'il donne la vie. Mais il faut élever Jésus. Si tu n'as pas élevé Jésus, oublie l'action du Saint-Esprit. Parce que celui qui a reçu ce qui était promis, c'est Jésus. Et c'est lui qui nous l'a envoyé. Il peut vous baptiser, vous donner toutes sortes de dons. L'une des activités de l'Esprit, c'est de donner les dons aux hommes. Et c'est lui qui opère toutes ces choses en tous. Tu as besoin de dons.
Tu as besoin de vision. Tu as besoin de miracles. Tu as besoin de discernement des esprits. Tu as besoin de parler à l'homme. Tu as besoin de guérir les malades. Tu as besoin de tout ça. Ça fait partie des activités du Saint-Esprit. Et l'Esprit du Tout-Puissant manifeste. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Je sais qu'il y a des gens qui retrouvent les dons qu'ils ont perdus. Je sais qu'il y a des gens qui retrouvent les dons qu'ils avaient perdus. Je sais qu'il y a des gens qui retrouvent la sensibilité qu'ils avaient. Parce que ça fait partie des activités du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Alléluia. Cette grâce est sur toute l'église maintenant. Glorifiez ce Dieu-là. Au nom de Jésus. Voilà. C'est formidable d'être accroché à l'Esprit de Dieu parce que vous comprenez que quand nous sommes dans le péché, nous questionnons toutes les vérités de Dieu au point de nous questionner nous-mêmes alors que nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Que rien ne vous fasse revenir comme le diable l'a fait à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, parce que nous sommes déjà créés à son image, à sa ressemblance. Nous avons juste besoin de ressembler à Christ et nous devons l'élever dans la vie. Et une fois qu'il est élevé, l'Esprit de Dieu manifestera sa présence partout où nous sommes, dans nos entreprises et dans nos activités. Bien-aimés, laissez toujours libre cours à l'Esprit de Dieu. Vous verrez que même seul, dans n'importe quel milieu, Dieu va vous imposer. Soyez les hommes et les femmes de succès. Dieu, par son esprit, vous a créé. Et que le souffle du Tout-Puissant vous anime partout. Que rien ne vous intimide, ne vous complexe. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Quel message, quelle parole pour aimer Dieu. Avant de terminer, je voudrais que nous puissions prendre rendez-vous. Je vous invite à nous joindre à Logos Rema. Nous sommes sur l'avenue Sayo, dans la commune de Kasavubu, à Kinshasa. Tous les dimanches, deux cultes. Le matin et un culte le soir. Tous les dimanches. Le culte en Lingala, 7h30. Il se termine 9h30 et de 9h30 à 11h30. À 10h30, 10h45, nous terminons avec la Sainte Cène. 11h, nous commençons jusqu'à 12h30 le culte en français. Et à 17h, le culte en anglais jusqu'à 19h30. Vous n'avez pas de raison toute la journée de ne pas servir Dieu. Venez, joignons-nous et laissons le souffle du Tout-Puissant nous animer pour affecter le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la prochaine. Merci.